Lentement, aujourd'hui, on se retrouve pour de l'osphère. On s'est arrêté à la fois à Vat, parce que Kanata était mise à mal par Van, parce que Kanata n'avait pas pu sauver la ville, le royaume de Van. Du coup, on va à... Van. Vous avez fini par m'avoir. Van, parle. C'était toi. Qu'est-ce que t'as fait à Kanata? J'avais pas le choix. C'était le seul moyen de ramener Gratia. C'était donc toi. C'est vraiment pour ça que tu as attaqué Kanata? Oui. Je comprends pas. Comment est-ce que tu comptes réussir là où Kanata a échoué? Trop petit point. Quel que soit ton plan, tu étais prêt à trahir tes compagnons et même à prendre la vie de Kanata pour récupérer ton royaume. Tu crois vraiment que ça rendrait ton peuple heureux? Simplement, si vous voulez, je promets de vous offrir ma vie en signe de pénitence. Mais pour le moment, j'ai des choses à faire. Ne restez pas sur mon chemin. Nous ne pouvons pas te laisser partir comme ça. Tu dois nous suivre. Ouais, après tout, Kanata est toujours... Moi, je vous tiens enfin, les vermines qui ont osé trahir l'Empire. Oh, Tradeus. Oh, ma patrouille m'a signalé une activité suspecte. Et vous voilà. Je ne vous aurais jamais cru assez stupide pour venir et tomber dans mes filets. C'est bien le moment. Et maintenant, bande de traîtres, vous êtes tout en état d'arrestation. S'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Ne sois pas stupide. Tu crois que je vais laisser passer une opportunité pareille? C'est à cause de scélérats comme vous que l'espoir décline. Mais je jure de combattre jusqu'à mon dernier souffle ceux de votre espèce. Oh, quelle ironie. Entendre ça de sales traîtres et d'une bête qui parle. Alors, affrontez-moi. Yeah! Mais je ne ferai pas de quartier. Comment osez-vous, misérable traître? À l'attaque! Des récompenses pour tout le monde. Oh, ils ont tous des exomecs. Intéressant. Je vais vous prouver que des petits gens sans exomèques peuvent vous battre. Bientôt. Mina. Oh, il y avait d'autres soldats derrière. Arc! Je n'oublierai pas cet affront. Vous ne quitterez jamais la capitale. Oh là 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 là. Où est Van? Bon sang, évidemment, il n'a pas pu attendre. Grrr, tout ça à cause de ce fichu général. Van détecté. Il se déplace très rapidement. Il doit s'agir d'un ascenseur. Il y a un ascenseur dans le coin? Oui. Une terrasse panoramique, peut-être. Oui, c'est ça. Il y en a une au sud-est de la ville. Attends-nous.
Qu'est-ce que Van va faire dans un endroit pareil? Peu importe. Attrapons-le et faisons-le parler. Voilà tout. Mais je crois que je me demande si c'est pas Lumina et pas dans le bon état. Compétences. Chira, s'il te plaît. Obaro, laisse-moi te poser une question. Tu as dit que Kanata n'était pas vraiment mort, n'est-ce pas? Oui, sa conscience vit et s'accroche toujours à son corps. Alors pourquoi ne servait-il pas? Parce que... Ah, pourquoi... Ouais, ça s'est dit. Je crois que Van a altéré les souvenirs de Kanata. Tu as déjà vu des victimes du phénomène de perte, hein? C'est parce qu'ils sont aussi des souvenirs stockés au niveau génétique. Pour l'instant, ceux de Kanata sont instables et son esprit est affaibli. Mais si ça continue, il pourrait finir par disparaître. Disparaître? Oh non! Il a altéré ses souvenirs, mais dans quel but? J'espère que le découvrir nous permettra de trouver un moyen de sauver Kanata. Le seul moyen de le savoir, c'est de demander à Van. Père, j'ai utilisé l'arme Adar pour abattre Kanata. C'est bien. À présent, je peux revenir dans ce monde. Revenir? Kanata est le seul au monde à être connecté à la Lune. La dernière création de la Lune, le seul à avoir une vraie vie. Père, qu'est-ce que vous voulez dire? Si Kanata n'existait pas, je ferais encore partie de la Lune. Mais avec ses souvenirs, je ne peux. Je ne pourrai pas tout contrôler, mais ce sera suffisant. Merci à toi, c'est une réussite. L'heure est venue. Vous n'êtes pas mon père? Qui êtes-vous? Mon nom est... Chrome. Mais je devrais peut-être dire que je suis ce que fut Chrome. Mais les noms importent peu. Chrome. Tu as bien rempli ton rôle, mais tu n'es plus nécessaire. Vous avez pris l'apparence de mon père pour me tromper. Ce n'était pas une ruse, le monde va renaître. Un monde fait pour me servir. Vous! Je te laisse la vie sauve, tu es le dernier. Toi qui es né des humains, tu as une dernière tâche. Tu seras le témoin de la fin du monde. Bande de radins. Van! Un petit peu. Réveille-toi, Van! Que t'est-il arrivé? J'ai fait quelque chose d'irréparable. Van, t'as toujours un rôle à jouer. Aide-nous, s'il te plaît. Kanata est au bord du gouffre. Aide-le. C'est impossible. Je te repose la question. Que s'est-il passé exactement? J'ai vu mon père. Ce n'était pas lui. Je ne sais pas qui, même ce que c'était vraiment. Il a dit s'appeler Chrome. Ce Chrome avait revêtu l'apparence de ton père. C'est ça.
père, enfin, Chrome m'a demandé de faire quelque chose. Il a dit que c'était à cause de Kanata comment il ne pouvait être restauré. Il m'a donné cette arme à Dar et dit de m'en servir pour tuer Kanata. Comment as-tu pu? Sans le pouvoir de Kanata, on n'a aucune chance de sauver le monde. Tu l'as vu toi-même, non? Quand j'ai rencontré Kanata, celui que je devais tuer, j'ai hésité. Ensuite, je l'ai vu ramener des gens des choses perdues et j'ai eu de l'espoir. Je me suis dit que même sans sacrifice, Kanata pouvait sauver mon royaume. Je me suis dit que tant qu'il vivait, l'espoir était permis. C'est pour ça que je vous ai tous amenés à Gratia, mais il a échoué. Alors désespéré, tu as obéi à Chrome, que tu pensais être ton père. Je ferai n'importe quoi pour me racheter, je donnerai ma vie. Donc c'est ton arme qui a abattu Kanata. Van, j'ai pas le temps d'avoir pitié de toi. Si tu veux te racheter, sauve Kanata. Van, Kanata n'est pas encore complètement mort. Vraiment? Aide-nous. Je suis sûre que ce Chrome mine l'esprit de Kanata avec l'arme à Dar. La question est, comment fait-on pour ramener son esprit à la vie? Est-ce seulement possible? Il est possible que l'empereur puisse l'aider grâce à ses pouvoirs psychiques. L'empereur écoutera même des personnes accusées de trahison telles que nous. En tant que général en chef et plus proche de lui que quiconque, je le garantis. Des pouvoirs psychiques, une telle capacité chez l'empereur est miraculeuse. Mais c'est pas trop dangereux de nous montrer au palais. Nos têtes sont mises à prix après tout. Tu vois. Ah, mais le palais doit bien avoir une issue de secours ou quelque chose comme ça. Le passage souterrain. Il mène au quartier des soldats et au palais. Alors avec ton aide, on peut atteindre le palais sans risque. Vite, allons-y. Toi aussi, Van. D'accord, j'ai compris. Quartier par les égouts. Ah oui, ça y est, ouais, je me souviens, c'est bon. Salut Sandoval. Alors, pourquoi j'ai pas le... Le chat. Comment vas-tu? Mince! Je voulais pas aller là. T'inquiète, j'aurai des cageurs en vacances. Comment se passait ton séjour en Écosse? T'as vu Nessie? Ah, c'est bizarre. T'écris en bleu sur le chat et sur le stream, tu vas t'écrire en violet. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah
Alors si je sais plus où est le marchand, bah... à l'est. Donc la maison qui est... Ah oui. Ah, je suis pas sortie par la bonne porte. Je suis pas sortie par la bonne porte. Moi, si en fait que ce soit par la porte sud ou par la porte nord, machin, je vais récupérer les machins au cas où. La réponse est non. J'accroche pas. Et je suis rendu à... Ah, je suis qu'à 14 heures de jeu. Ok. Non, j'arrive pas à accrocher parce que c'est un peu trop gnangnang cucu là après Aline. Sur les bords. Et lui il est pas mort. Ok, tu faisais la sieste. Ok. Super. C'est pas que... J'aurais peut-être dû aller de l'autre côté. Ok. Surtout qu'ils font principalement des remasters de chez remaster encore. Ah, il n'y a pas trop d'autres. Oh, mais...
artifact. ここは任せよ。やるな。 Non, je me rends beaucoup à Monster Hunter avec les claques-claques, métallipines, etc. etc. La ligne n'était pas connectée. Donc je vois pas mal de jeux comme ça et enfin, surtout Monster Hunter. Et on a fini l'histoire depuis ça va faire 2 semaines qu'on a fini l'histoire principale de Monster Hunter et je prends plus mon pied à jouer à Monster Hunter qu'à l'ostosphère. J'ai failli dire l'Ost Odyssey, non, l'Ost Odyssey est un excellent jeu. Ouais, c'est le jeu de l'amour celui-là. Non, non, c'est le mort avant. Peut-être falloir que je soigne tout le monde. C'est bon, je descends. Ah, tout le monde en passe. Bah non, Mina reste avec son exo. Comment ça se fait ça? Ah bah après c'est chacun ses goûts pour les matchs hein, mais après on j'adore. C'est un jeu que j'aime bien. Je crois que je peux taper les deux en même temps. Allez, go. Je peux taper deux. Salut Yorel, comment vas-tu? Je suis passé par là. C'est par là que je suis arrivé. Pas.
mets dans les coffres. Voilà, très, très important. Hein. C'est l'heure du duel chez Yorel. Oh, ça rime, c'est cool. Mais patate. Mais allez-y, arrêtez-moi. Oh là là. Pas produit en croix. Bien, je suis quand même ici. On va avancer. Même si des fois j'ai rien à raconter. T'es mort. Je suis quand même rendu à 14 heures de jeu dessus, quand même. C'est une vraie plaie. On profite, c'est les vacances. Peut-être la semaine prochaine, on reprend un rythme à peu près normal. À peu près normal. Soyez tout le monde parce que les pertes de points de vie, on sait pas, ça part vite. Se battre dans un couloir. On va régler ça autrement, à ma manière. On en veut d'autres ou quoi? Allez, filez dans votre chambre. Zou, du balai. Compétence. C'est fort, je passe gaffe quand même. Au moins, on est déjà arrivé jusqu'ici. Pas le temps de ramasser. Nous devons restaurer la conscience de Kanata. Et vite! Vite! Comme dire Neji, vite! D'après Van, Kanata a perdu ses souvenirs, c'est ça? Exact. Pour le moment, seules ses capacités latentes l'empêchent miraculeusement de disparaître. Mais alors, pouvons-nous le sauver? Existe-t-il vraiment un moyen? Un seul, personne ne le connaît aussi bien que nous.
Nous devons jouer le rôle de ses souvenirs et entrer dans sa confiance. C'est possible, ça paraît insensé. Je crois que l'empereur, grâce à ses pouvoirs psychiques, est le seul à en être capable. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir de ramener Kanata. C'est notre seule chance. Ce ne serait pas plus rapide de capturer ce chrome? Je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun signe de la présence de chrome. Je ne suis pas sûre que le concept de présence s'applique dans ce cas. Il serait plus rapide de restaurer Kanata que de courir après un fantôme. Les synchroniser nos propres souvenirs avec ceux d'un autre semble dangereux. S'ils entrent en collision, ça pourrait très mal finir. Absolument. Je sais pas pourquoi, mais l'empereur, je sens que c'est Chrome aussi. C'est pour cela qu'il nous faut l'aide de l'empereur. D'accord. Dépêchons-nous de le trouver alors. Ce n'est pas nécessaire, Néodouce. Il va apparaître comme ça. J'ai compris la situation. Votre Majesté, que faites-vous ici? On est un peu dans la salle du trône, mais c'est pas grave. Ta gueule, c'est magique. Votre sentiment d'urgence est puissant. Je l'ai ressenti très clairement, même depuis le palais. Mais le temps presse. Voyons si je peux vous être utile. Votre Majesté, je ne fais que cela pour vous. Dites-vous que c'est pour moi que je le fais. Cela n'a pas d'importance. Il faut sauver Kanata. Est-ce là ton souhait également? C'est moi qui lui ai fait ça. Je n'ai pas le droit de souhaiter quoi que ce soit. Mais tu as combattu à ses côtés, n'est-ce pas? Oui. Alors tu as à la fois le droit et le devoir. Pour autant, l'aide de l'empereur a un prix. Je te demande de risquer ta vie. Enfin, arrête de réfléchir. C'est maintenant qu'on doit être unis. Oui, s'il vous plaît, pour Kanata. S'il vous plaît, utilisez vos pouvoirs pour sauver Kanata, votre majesté. Peu importe si je meurs, je ferai n'importe quoi. Cet ardent désir, ne l'oublie pas. Garde-le fermement dans ton cœur. Le désir est très puissant, il a le pouvoir de changer la réalité. C'est le pouvoir qui nous réunit tous. Le temps presse, on discutera plus tard, que fait-on maintenant? C'est ça, concentrez-vous et pensez à Kanata. Je vais réunir ses pensées et les lier. Vous pouvez vraiment faire ça? Ne souviens-tu pas ce que je l'ai déjà fait pour vous? Eh bien, en fait, j'ai des pouvoirs psychiques assez spéciaux. Ils me permettent de deviner certaines choses à votre sujet. Ah, je me souviens la première fois qu'on vous a rencontré dans la capitale. Je pensais que c'était une blague. Les empereurs ne blaguent pas. Désolé, votre majesté. Ah, pardonnez-moi, je te taquine. Mais cette fois, je vais devoir faire un grand effort. Bien, fermez les yeux et concentrez-vous vos pensées sur Kanata. Vous allez maintenant devenir des pseudo-souvenirs. Ensuite, vous engendrez le peu souvenir restant en Kanata. Et restez sur vos gardes, il ne s'agit pas des siens. Ils sont lui, mais ce ne sont pas les siens. À qui ils sont? Je pense qu'il s'agit de ceux de Chrome. Ceux de Chrome? Je sens des pensées de Chrome en Kanata. Chrome a dû voler le souvenir de Kanata en insérant les siens. Si nous parvenons à les éliminer, le pouvoir de Kanata peut revenir. Et le ramener à la vie, cherchez-le dans les souvenirs de Chrome. On va essayer. Non, on va réussir. Faites très attention une fois à l'intérieur. Quand vos consciences fusionneront avec celles de Chrome, vous pourrez altérer ses souvenirs, il pourra en faire de même avec les vôtres. Si vous combattez dans cet état et perdez, votre esprit sera piégé à jamais. N'oublierons pas votre avertissement, votre majesté. Je pense également que les souvenirs ne peuvent être fusionnés qu'une fois. Nous n'avons qu'une seule chance. Si vous échouez, c'est la fin. Oh là là! C'est compliqué, ce jeu. On est dans les souvenirs? C'est si étrange.
C'est comme être entre rêve et réalité. Et ah, j'ai la tête qui tourne. J'imagine qu'il faut s'habituer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une sauvegarde! Oh, avant éthéré de FF14! Non, c'est pas vrai. Un tourbillon? Approchons-nous. Non, je veux sauvegarder! Je veux sauvegarder, c'est mort, je veux pas m'approcher, je veux sauvegarder. C'est non négociable, la sauvegarde est très importante. Des éboulés, viveurs d'un futur très lointain.